Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi. C'est vendredi, pour ceux qui travaillent, c'est le week-end. 9 avril 2021, 6h pile, heure du Québec. Il y en a qui commencent leur week-end avec une évacuation massive à Saint-Vincent. On ordonne des évacuations alors qu'une éruption volcanique semble imminente. Hein? La Soufrière, une éruption volcanique majeure, imminente. 100 000 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer l'île des Caraïbes de Saint-Vincent. Alors, de plus, une augmentation de l'activité à proximité de la montagne Pélée a également été signalée. En 1902, la Soufrière et la montagne Pélée ont éclaté simultanément, tuant, eh oui, plus de 30 000 personnes, nous raconte Electroverse. Une île des Caraïbes a émis une alerte rouge et ordonné une évacuation suite aux avertissements d'une éruption volcanique imminente. L'île caribéenne de Saint-Vincent est désormais en alerte rouge et un ordre d'évacuation a été ordonné alors que le volcan, la Soufrière, montre des signes d'une éruption imminente. Jeudi, les résidents de Saint-Vincent ont été invités à quitter leur domicile en raison de l'augmentation significative du risque d'éruption. Ralph Gonsalves, ou Gonsalves, premier ministre de Saint-Vincent et des Grenadines, a déclaré que les personnes vivant dans les zones rouges, situées au nord-ouest et au nord-est de l'île, devraient partir immédiatement alors que le volcan continuait de s'agiter. Il y a maintenant dans le pays un ordre d'évacuation, a annoncé le premier ministre dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Peu de temps après l'annonce, les routes menant hors des zones touchées étaient encombrées de trafic et jusqu'à 100 000 personnes auraient respecté l'ordre, donc c'est quand même assez majeur. Hein? L'île des Caraïbes nous raconte ou nous rapporte de Guardian, dit qu'il y a une perspective substantielle de catastrophe après plusieurs jours d'activité sismique accrue. L'île caribéenne de Saint-Vincent a déclaré une alerte rouge et émis un ordre d'évacuation après que les sismologues aient averti que le volcan, la Soufrière, montrait des signes d'une éruption imminente. Et on a aussi The Watchers qui couvre la situation et qui nous rapporte que l'alerte rouge a été lancée pour le volcan La Soufrière, évacuation ordonnée, Saint-Vincent et les Grenadines. Les scientifiques surveillent le volcan La Soufrière à Saint-Vincent et les Grenadines ont observé une augmentation significative de l'activité du volcan le 8 avril 2021, ce qui a incité le gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines à élever le niveau d'alerte volcanique à rouge et émettre un ordre d'évacuation pour les communautés de la zone à risque volcanique. Pour ces gens-là, hein, c'est un week-end qui commence dans la tourmente. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. On commence la journée. Je vais être assez actif aujourd'hui. Restez lent.